Bonjour. C'est parti pour la suite de Entre les Spies sur Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien. On est dans la créature divine, du coup on est dans Vanaboris. On avait pu aider Riju. Enfin, on a eu l'aide de Riju. Voilà. Vous pouvez voir ce que vous préférez. Mais Riju nous a aidé à nous occuper. Vous occupez d'entrer dans Vanaboris, quoi. Et maintenant, du coup, on cherche les terminaux de contrôle. Guidé par Urbosa la Grande. Alors, le truc, c'est que là, je vais tenter un truc, mais je sais pertinemment que c'est une connerie. Hein. Mais je vais quand même le faire. C'est ça qui est bon. Yes. Voilà, donc être au-dessus ne sert à rien. Ah oui, on avait ça. On avait ce mécanisme que j'ai complètement pas exploité. Là, d'un coup, ça ressemble à quelque chose. Par contre, la question reste la même. Ah, bon, non, voilà. Donc non, vous pouvez rentrer. Il y avait un endroit pour rentrer, quoi. Comment ça se fait qu'on l'a pas vu, hein ? Il ne reste plus que deux terminaux de contrôle. Garde la tête froide, surtout. Ok, maintenant c'est là-dedans que ça se passe, quoi. Ah, l'œil est de l'autre côté, ok. Alors, on va revenir là. On va reprendre ça. Parce que je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. J'en suis assez convaincu. Parce que ça me fait prendre tellement de hauteur que... Là au pire je pourrais passer. Là au pire j'attends un peu et je peux passer, quoi. Mais d'accord. Le problème c'est que je vais attendre trop longtemps. J'ai la flemme d'attendre aussi longtemps. Merci. Ah oui, c'est ça que j'ai ouvert au début. Dans l'épisode précédent, j'avais fait un truc. J'avais fait clipser un truc, je pense que c'est ça. Par contre, pour y aller, la galère, quoi. Non mais... Merci. Ah. Mais non. Ah non. Mais non. Merci. Ok. Oh, j'aime pas cet arc.
Je l'utilise parce que parce qu'il est pas trop mal, mais c'est vrai que c'est pas mon arc préféré. Oui, j'ai vu un truc là-haut. J'ai vu le coffre en bas. Ah. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie. J'ai pas envie de trouver le... l'œil de mort avant de passer. Hein? Mais non! Je t'esquive! Comment ça se fait que je peux passer par là? Ah oui, là j'ai des trucs à... Ah oui. Salut! Ah. Il était là, l'œil de mort. Ça remonte encore? Ouais. Ah mais là, il y avait un truc, ouais. Ok. Ok, ok, ok. Bon, chaque chose en son temps. L'œil. Ah mais y a un œil là aussi. Mais là j'ai accès à ça. T'as bêché Carl. Il ne reste plus qu'un seul terminal de contrôle. Un dernier effort, Link. Yes. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Et là on récupère ça. Si j'ai le droit de le toucher. Donc dans le doute, je vais pas le toucher. Béant. Ok. Du coup, maintenant, on va de l'autre côté. Et on va chercher la bouboule. Il y a un truc là. Pas clair. De l'autre côté, pareil, j'ai pas regardé. Mais bon. Ok. Alors là, il doit y avoir un coffre d'un côté ou de l'autre. J'imagine. Ouais, voilà. Ah bah d'accord, le coffre et la boule. Ah, et là je peux monter. Ah, d'accord. Mais non. Bon. On va faire ça comme ça. Mais non. Arrête, Link, arrête. Va tout droit. Hop. Mais non, mais. Fatigue. Ouais, ça, on sait toujours pas d'où ça vient. Ma foi. Au secours. Vicentique. Trop bien un Vicentique. Ok. Et le dernier. Et voilà. On est bon.
Beau travail. Tu as activé tous les terminaux de contrôle. Maintenant, autour de l'unité principale. Si tu regardes ta carte, tu verras un gros point brillant. C'est là que tu la trouveras. Mais ne prends pas la grosse tête, d'accord ? Yes. Alors, bon, déjà, on va faire un truc. On va faire ça. On va manger. Et ensuite, ensuite on fait ça. Est-ce que ça fait bip bip? On va voir s'il n'y a pas un coffre ou deux qu'on a loupé. On a sûrement loupé des coffres, mais bon. Après, je sais pas si on va aller tous les chercher. C'est pas très très grave au pire. Non, mais si t'avais fait ton saut comme il fallait, c'était parfait. Bravo Link. Ça fait pas bip bip en tout cas. Hein. Pas de bip bip. Hein. J'ai envie de vous dire. Je vous ai récupéré les deux là les gars. Ah ouais. J'ai envie de vous dire pas de bip bip. Voilà. Hein. Let's go. Let's go le boss. Alors par contre, on va prendre un vrai arc, si ça vous dérange pas. Genre l'arc de l'aigle. Genre l'arc de l'aigle. Allez, c'est parti. Va-t-elle autant être un calvaire que dans l'ère du fléau ? Réponse dans quelques instants. Ne sous-estime pas cette chose. C'est un monstre créé par Ganon pour nous combattre. Il y a 100 ans, je n'ai même pas eu le temps de le frapper. Il m'a éliminé en un instant. Mais ça ne t'arrivera pas. Pas à toi. Tu sortiras victorieux de ce combat. Je le sais. Let's go. Elle est rapide. Fais attention. Ne la laisse pas te surprendre. Alors, je sais plus comment on fait. Hein. Non. Ouais. Hein. Yes. Ma vie. Phase 2. Ouais. Pour l'instant, ouais. Ça passe pas si bien que ça. Tu ne peux pas connaître le même sort que moi. Il est où ? Oh, saloperie. Mais non mais. Vraiment le champ de bataille de mort.
pire champ de bataille. Non mais prends. Il est où? J'adore prendre cher. C'est ma passion dans la vie. La prochaine fois, je prends ça en fait. Il est où le bouclier des Sylvains? Ah ouais, j'ai été one shot quoi. Au secours. Mais non mais putain, mais attaque-le. Ah ouais d'accord, le petit coup de bouclier et tout en plus. Allez, meurs. Bravo, ça fonctionne. Mais non mais... deux fées hein. Heureusement que je les avais hein. Lion, mon bouclier. Et le réceptacle de cœur. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux, qui augmente le nombre maximum de cœurs. Ce qui fait qu'on en a quelques-uns. Je sais plus. Ah, il est là. Par contre, je crois que j'ai perdu un bouclier encore, aussi. Ouais. Ok. Bon bah, je pense qu'on est bon. Peut-être rater un coffre, mais... Let's go, hein. Une fois l'unité principale activée, il vous sera impossible de retourner à l'intérieur de la créature divine. Yes. Pas mal du tout. Non seulement tu as libéré mon âme, mais grâce à toi, Naboris est à nouveau sous notre contrôle. Ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir terminer ma mission. Autrement dit, t'aider à accomplir la tienne. Je n'attends qu'une chose, c'est ta confrontation avec Ganon au château d'Hyrule. Avec ma créature divine de notre côté, ce monstre va passer un sale quart d'heure, tu peux me croire. Ah, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Je remets mon pouvoir, la colère d'Urbosa, entre tes mains.
crois-moi, tu vas en avoir besoin. Je sais que vous avez souffert, la princesse et toi, de ce qui nous est arrivé. Mais on n'y pouvait rien, c'est comme ça. Et ce n'était pas votre faute. Alors, dis-lui bien ça, s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter de se faire du mal. Et dis-lui aussi qu'elle a de quoi être fière. Prends bien soin d'elle pour moi. Oh, et puis, Dirul aussi, tant tu y es. Sage parmi les Gerudo, acclamé par la légende. Ton nom est un hommage à sa mémoire, fière créature. Tu appartiens à notre peuple, toi aussi. La grande, la puissante Naboris. Cette chose nous a vaincus bien trop facilement il y a 100 ans. Mais cette fois, elle ne s'en tirera pas à si bon compte. Ganon le fléau. Si l'on en croit ce qu'on raconte, il est né de notre peuple, lui aussi. Voilà pourquoi nous allons l'affronter de toutes nos forces, toi et moi. Il le faut, pour l'honneur de la tribu Gerudo. Attends seulement que je le tienne à ma merci. Dès que Link aura engagé le combat, on va lui mettre une raclée qui compte dans la vie d'un démon. Il va en faire une tête. Je vois ça d'ici. Trop fort, Turbo 100. Ah là là, oh ce pouvoir. Colère d'Urbosa, le pouvoir du produit Urbosa permet de faire tomber la foudre autour de vous. Maintenez Y enfoncé puis relâchez-le pour activer. Je pense que... Bon, le pouvoir de Répali, c'est le pouvoir le plus utile pour explorer. Alors, attendez, je me change. Attendez deux secondes, je me change. Autant, voilà, le pouvoir de Répali, c'est le pouvoir le plus utile pour explorer. Explorer. Autant, le pouvoir d'Urbosa, c'est le plus utile pour ce fight. C'est trop fort. C'est juste trop fort. Non, mais de toute façon, tous les pouvoirs sont utiles, globalement. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, me changer. Il m'avait dit me changer. Parce que là... Là, ça va pas. Je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer dans la cité Gerudo. Ok.
Sachant que du coup on a dû débloquer. Ah mais oui c'est vrai. C'est vrai que du coup on a le détecteur de coffre. Non mais attendez, il m'a pas détecté un coffre là-bas. Je pense qu'on avait pas raté de coffre. Hein. Non mais attendez, mais c'est... Il est où ? Non mais attendez, parce que là je triche. Non parce que ça, il y a forcément un faux coffre là-dedans. Ouais voilà. Prends les rubis. Ah, salut. Je fais que passer, hein. Non mais... Pas possible, ça, hein. Ça m'a donné des flèches de feu. C'est l'avantage. Ok. Mais donc quoi, il allait me chercher le coffre là-bas, quoi. Quel enfer. En sachant qu'il y a un autre objectif, hein, donc... bah repérer de nouveaux coffres, mais bon. Mais bon. Allons à la cité Gerudo, remplir notre quête. D'ailleurs, voilà. J'ai la flemme de marcher dans la neige. Enfin, dans la neige, dans le sable. Je vous avoue. Du coup, on a dû débloquer plein de quêtes, ici. Normalement. Ah, super. Je suis ravi de l'apprendre. Non mais il est encore dehors là. Il va être là-bas ton coffre. C'est bon. Non mais enlève ça. C'est bon. Il y a quoi là-haut? Genre y'a rien. Genre y'a pas de Korogu. Ok. Non mais ok. S'ils le disent. Non mais par contre là je fais n'importe quoi. Là par contre... T'es là, Riju? Non. Moi, c'est ça que je voulais faire. Parce que ça, c'est l'alphabet de Breath of the Wild, ça. Donc j'imagine qu'il y a une traduction qui doit exister de ces trucs-là. J'imagine. Journal de la chef Makela Riju. Betera a dit que ma mère était montée au ciel et qu'elle était devenue une déesse. Elle a aussi dit qu'à partir de maintenant, j'étais la chef du peuple Gerudo et que je vais me comporter en tant que telle. J'aurais préféré que mère ne devienne pas une déesse et qu'elle reste auprès de moi. Depuis que je suis devenue chef, les habitantes de la cité sont plus gentilles avec moi. Mais j'ai aussi remarqué qu'elles avaient l'air plus inquiètes. Mère,
Je ne sais pas si j'arriverai à devenir aussi une aussi bonne chef que vous. Vanaboris, la créature divine qui dormait dans le désert Gerudo, s'est manifestée. Mère disait qu'elle était une divinité du peuple Gerudo, mais elle n'en a pas vraiment l'air. Demain, j'irai l'examiner de plus près. Je voulais m'approcher de Naboris avec Madame Patricia, mais une tempête de sable et la foudre m'en ont empêché. Cette créature devait s'approcher de la ville. Nous ne pourrions rien faire pour lutter contre elle. Nous nous apprêtions à faire demi-tour quand un monstre a effrayé Madame Patricia, qui s'est ruée vers Naboris. Je ne me souviens pas de la suite, tout est noir dans ma tête. À mon réveil, Bétera se veillait sur moi, le visage inquiet. Depuis l'incident, Bétera ne me quitte plus d'une semelle. Elle doit avoir peur qu'il m'arrive encore quelque chose. Hélas, le malheur continue de s'abattre sur nous. Des bandits sont emparés du trésor de notre peuple. Bétera ne cesse de répéter que c'est sa faute, et n'écoute pas quand j'essaie de la raisonner. Si ça arrivait, c'est tout simplement parce que je manque encore trop d'expérience, je le sais. Mais les soldats ne me blâment pas pour autant. Au contraire, elles font de leur mieux pour retrouver le trésor. Ce ne doit pas être facile pour elles d'avoir une chef aussi impuissante. Grâce aux efforts des soldats, nous avons réussi à localiser le repère des bandits. Mais ils sont puissants. Nous n'arrivons même pas à en approcher. La masque du tonnerre est juste là. Juste là. Mère, Rebossa la Grande, dites-moi ce que je dois faire. Il manque une partie, non? Je me demande s'il manque pas une partie au journal. Mais bon. Salut! Oh, te revoilà! Je suis contente que tu ailles bien. Vraiment contente. Naboris a retrouvé sa position initiale et l'énorme tempête de sable s'est calmée. Le grand fléau m'inquiète, mais au moins, Naboris n'est plus une menace pour mon peuple. J'aimerais te remercier pour ton aide que tu nous as apportée. Pour toute l'aide que tu nous as apportée. Voilà pour toi. Ces pièces d'armement sont des trésors de notre peuple. Herbosa la Grande s'en servait autrefois. Puisque vous étiez amis, je me suis dit que ce serait une bonne idée de t'en faire cadeau. Bah merci. Quête principale, Vanaboris, c'est fait. Cimetière des Sept Joyaux, cette épée d'excellente facture était l'arme favorite du prodige Urbosa. Lorsqu'elle la maniait, ses mouvements prenaient alors toute la grâce de la danse. Et le bouclier des Sept Joyaux, aussi léger qu'robuste grâce au métal d'exception dans lequel il a été forgé, le bouclier favori d'Urbosa permet de parer facilement les attaques les plus violentes. Et voilà. On est content. D'accord. Minute! C'est le trésor de notre peuple. Le masque du tonnerre. Personne n'a autorisé à le toucher, pas même toi. Ça. Allons, du calme, Bétera. Dis-moi, tu veux ce masque? Ouais. Je vois. Mais je ne peux pas te le donner comme ça, tout bienfaiteur que tu es. Cela dit, l'adversaire dont tu essayes de nous débarrasser n'est autre que l'ennemi d'Urbosa la Grande. Si tu as vraiment besoin de ce masque, je suis pas contre l'idée de te le prêter. Ouais. Bien, alors tu vas devoir me montrer à quel point tu es déterminé. Ce masque est notre trésor. Tu vas donc devoir obtenir la confiance de mon peuple. Aide-le à régler ses problèmes et fait de cette cité un havre de paix. Très bien, voilà. Tu es fort, je le reconnais, mais la force seule ne suffit pas à apaiser un peuple. Voilà, un peu à la manière de Kokoriku où quand tu faisais toutes les quêtes, bah t'avais une autre quête qui se débloquait. Si j'ai pas de bêtises, la quête du sanctuaire. C'est une quête que tu pouvais pas faire si tu faisais pas les autres quêtes avant. Bah là, c'est pareil. Là, on va devoir aider toutes les quêtes des Gerudo. On va faire toutes les quêtes des Gerudo pour obtenir le masque du tonnerre. Ah, les flèches de feu. Ah ouais, je veux. J'achète tout. Ouais, j'achète tout. Ouais, j'achète tout. Yes. Flèche de glace, non. Flèche électrique, non. Non, ouais, non, c'est bon. Ok. Bah écoutez, en vrai, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter cet épisode. Mais avant, 2 secondes. Ouais, mais avant, on va essayer de choper les quêtes des Gerudo. Et par exemple, moi, il y a une quête qui m'intéresse particulièrement, on va dire. C'est la quête... Non. C'est la quête du bar. Yes. Bon là on peut acheter des trucs à la boutique mais je vous avoue que je suis pas emballé. Je suis pas emballé.
pour acheter de l'armure. Pour l'instant, en tout cas, voilà. Donc il me faudrait un Vaimitzvoy là. Ah, toi. Cet imbécile a dit qu'il allait se marier. Pourquoi? Mais pourquoi? Ce Voy, si je le revois, je lui éclate la tronche. Salut. Bah sac. Tiens, une jeune Ilienne. Je sais pas quel âge tu as, mais tu m'as l'air trop jeune, bien trop jeune pour entrer dans mon établissement. De toute façon, ton préparant ici ont un goût spécial. Très bien quand tu auras l'âge de savoir faire la différence. Le Vaimitzvoy. Tu veux commander la spécialité de notre établissement? Désolé, mais j'ai besoin d'une grande quantité de glace pour en préparer. Et en ce moment, on est un peu à court. De toute façon, c'est bien trop fort pour toi, il est hors de question que je t'en vende. Alors en fait, pas pour moi. Quoi? Porpi, t'as vraiment dit ça? Écoute, j'aimerais bien t'aider, mais sans glace, je peux rien faire pour elle. Il suffirait d'en ramener de la glacière, mais j'ai bien trop mal aux jambes pour m'y rendre. T'inquiète. Tu ferais ça? Tu me rendrais un fier service. Porpi est une de mes habituées, tu vois. La glacière se trouve au nord de la cité. Elle est gardée par Aubarn. Si tu lui expliques la situation, elle te donnerait de la glace. Elle est plutôt du genre couche-tôt, alors tu... Va la voir quand il fait encore jour, si tu ne veux pas la manquer. Au fait, ma grande, je suis bien trop vieille pour transporter de la glace à travers le désert. Mais je peux aller la récupérer à l'entrée des ruines, à mi-chemin entre la glacière et la cité. Alors tu n'auras qu'à m'emmener la glace à cet endroit. Très bien. Donc ça, c'est une quête de fête. Parce qu'après, le truc, c'est que je sais plus, moi. Je sais pas quelle quête y a et quelle quête y a pas. Enfin, je me rappelle d'une ou deux quêtes, mais... C'est un peu léger, quoi. J'ai vraiment cru qu'on pouvait prendre la statue en photo. Peut-être du côté des gardes. Ah, le trident. Trident Gerudo, on l'avait pas. Excusez-moi, je prends des photos, mais... Où est passé Brick? Qu'est-ce que vous dites? Brick a encore disparu? Cette fois-ci, on dirait qu'elle s'est mise en tête d'aller trouver je ne sais quel fossile gigantesque au sud-ouest. J'ai tout fait pour la raisonner. Eh bien bravo, c'est une réussite, elle a disparu dans la nature. Je le sais bien. Mais tout de même, la zone est infestée de Moldarcor. Elle ne s'y risquerait pas. Sans parler de la température extrême, mortelle sans équipement adéquat. Je ne pensais vraiment pas qu'elle partirait. Tu ne pensais pas? Cet écervelé n'a pas plus conscience du danger qu'un morse des sables qui vient de naître. L'autre jour encore, il a fallu aller la tirer des griffes de ces satanés bandits. Bon, va falloir faire avec. Brick sera toujours irréfléchi et vous ne verrez jamais rien venir. Mais tout de même, pourquoi faut-il qu'elle se mette toujours dans des situations impossibles? Faut retrouver Brick. Ok. Je pense qu'on a quelques quêtes. Parce que, si je dis pas de bêtises, voilà, cité Gerudo, on a ça, on a ça, on a... Voilà, on a l'adversaire de Moldarcor, la 8ème héroïne, mais ça, on s'en fout. Enfin, c'est pas une quête d'un habitant de la cité Gerudo, donc... Mais attendez, il en manque, là. Ouais, mais le Vaimitzvoy, il y est pas. Il est pas là. Bon. Écoutez. En vrai, on pourrait aller vers le sud-ouest. Hein. En vrai, on va aller vers le sud-ouest. Hein. Parce que je crois... Ah, on pouvait peut-être pas y aller avant parce que à cause de Vanaboris. Hein. Pas impossible. Hein. Là du coup on a une partie du désert qu'on pouvait pas explorer qui nous est accessible donc c'est vraiment là? J'y crois moyen. Ouais. Secours. Ah non, c'est plus profondément dans le désert. Mais allons par là.
Allons par là et on va pas tarder à s'arrêter. On va enlever notre tenue. On va mettre une épée des flammes. Et voilà. On est paré. Attendez, qu'est-ce qui faisait ce bruit là? Qu'est-ce qui ronfle comme ça? C'est vraiment les moblins? Eh ben, sale bait. Ok. Alors j'aimerais bien récupérer le coffre, mais il est un peu loin là. Malheureusement, il est un peu loin là. Merde. Merde. Non, j'ai pas trop envie. Non, mais ça va pas. Saloperie, hein. Saloperie. Bon. Bah, essayer de s'en aller d'ici, de s'éloigner du combat. Même si j'aurais pu utiliser la foudre d'Urbosa, justement, mais. Bon. C'est pas très grave. Si on laisse ça de côté, c'est pas très grave. Ah, morts et sables. Really? C'est la merde. Oh là là, mais le soleil veut pas se lever, hein? Parce que c'est pénible. Yes. Ça faisait longtemps, du coup. Du coup, ça faisait longtemps. Bon, bah voilà, on a plus qu'on se dit. Hop, je note ça. Ok. Ok, soit. Soit j'ai pris une flèche à 5 heures. Du coup, j'avais que deux faits. Ah ouais. Ah ouais, ça aurait pu très mal finir ce combat. Allez, je reviens là. On me dirait, compte tenu des circonstances, c'est peut-être pas vraiment un mal. Toi, t'as un arc. Voilà. J'ai pas pris en photo l'ombre. C'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Mais ce serait bien quand même de les prendre en photo. Au moins, c'est plus à faire, quoi. J'y pense que maintenant.
pas très grave. Ouais. Non, si on pouvait éviter de tomber sur un mold hardcore en vrai. Je vous avoue. Je vous avoue, je préfère. Ouais. Ouais. Mais c'est un gros goût, ça. Mais non, mais... Vraiment. Voilà. Saloperie, hein. Vraiment des saloperies. Non, par contre, ouais, la flèche qui m'a mis 5 heures, je... en fait, enfin vraiment, ma vie, ça va être de me faire one shot dans le jeu, quoi. Ça va être de pire en pire en plus, hein. Ça le problème. Donc en vrai, il faudrait impérativement que je prenne des cœurs. Mais bon. Ah, il y avait un Kurogu, on avait dit. Attendez. On efface la balise. On met un Kurogu. Non, pas un... Voilà. Tant pis. C'est pas grave. Parce que là, il y a un Kurogu à tous les coups. Oh, le sable. Qu'est-ce que c'est chiant, le sable. Yes. Non. Elle a aussi un Kurogu. Et là, il y a une sale bait. Ok. Est-ce que j'ai vraiment envie de l'affronter? Non. En fait, le problème, c'est que c'est non, la réponse. Encore moins sans Revali, quoi. Parce que c'est le problème d'être dans le sable, quoi. Ah, on les a en photo, eux. Ok. Salut. Bon. Ah. Bon, je crois que c'est par là. Oh, et l'épisode qui aurait dû avoir une durée convenable qui s'arrête pas du coup. Juste parce que je veux aller à un endroit spécifique. Qui est censé être par là, hein, mais... Le problème, c'est que du coup, maintenant, j'en sais rien. Pourquoi il y a une... y a un curseur, là? On voit un curseur. Ah, bonjour. Non, mais vous pouvez pas me voir de là, c'est faux. Je refuse. Ah, yes. En vrai, j'aime bien cette ambiance dans le jeu. Parce que quand t'es dans une tempête de sable, c'est vraiment, vraiment perdu, quoi. C'est pas de mind game, hein. Alors par contre, la question, c'est est-ce que c'est par là? Ou est-ce que c'est plus par là-bas? Ça, j'en ai aucune idée. Plein de problèmes. Faudrait que j'arrive à sortir de la tempête. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Alors attends. S'il te plaît, attends. Nickel.
On a réussi à sortir de là. Non, oui, si. Non, c'est... C'est bon. Parce que, ouais, voilà. Ici, il y a quelques petits trucs. Genre un sanctuaire. Genre sûrement un Korogu aussi. Hein. Enfin, un ou deux. Et genre une fontaine d'effets. Ah ouais, du coup, des fées. Donnez-moi les fées. Donnez-moi les vies. Mais non! Sale bait. Je veux cette fée. Attendez, je veux cette fée. Et j'aurai cette fée. Je vais l'ajouter à ma collection. Ah. Voilà. Ok, allez, salut toi. Homme. Jeune homme. Écoute ma requête. Oui. Je suis la grande fée Terra. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisant plus rares, je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état. Alors je t'en prie, offre-moi quelques rubis. Ah, 10 000. Ah, juste 10 000 rubis, ça devrait suffire. Ah, dès que j'aurai recouvré toutes mes forces, je suis sûr que je pourrai t'être utile. Alors, non, tu ne pourras pas m'être utile dans mon challenge, mais... Allez, si tu as des rubis, donne-m'en vite. Ah, pour retrouver toutes mes forces, il me faut encore 10 000 rubis. Broutille. Ouais, désolé, j'ai pas. Oh, c'est vraiment dommage. Ouais. Ah non, 10 000 rubis, j'ai pas. Hein. C'est abusé. Je me rappelle jamais du prix. 10 000. 10 000. Première rubis, je crois que c'est 100. Hein. Je crois qu'elle te demande 100 rubis, la première. Passe de 100 à 10 000. Ouais, juste fois 100, quoi, au milieu. Par contre, est-ce qu'on fait vraiment ça maintenant? J'ai vraiment fait ça, moi? J'ai vraiment décidé de faire ça? Yes. Bah, let's go. Hein. C'est parti pour conduire l'électricité. Par contre, attendez, je vais me soigner parce qu'il y a des grandes chances qu'on prenne des dégâts de foudre. Dans six soins. De combien de vies ça me rend, ça? Ok. Ah, salut. Proto. Ah, attendez, on va s'entraîner sur les timings. Merci. Ah, c'est trop profond. Bah yes. Thank you.
Alors. Il me reste un coffre. Maintenant. Voilà. Yes. Ça, on en fait quoi? Non. Et si ça va dans l'eau, ça fait quoi? Non, ça veut pas aller dans l'eau. Bon. C'était sûr que ça allait arriver, ça. Ça, j'en étais sûr. Non mais... Maintiens la connexion. Voilà. Et ça, je peux le prendre à la main. Ok. Ah ouais, je peux prendre à la main, sauf si ça... D'accord. Elle est partie où? D'accord. Ok. Donc là, tout simplement le coffre. 300 rubis. Toujours pas tous les coffres et plus que 7780 rubis. Si j'ai pas de bêtises. Cool. Ah, le coffre. Le coffre est là. Ah, c'est resté ouvert, mais deux frames, quoi. Bah. Non, mais... C'est bon. On s'en fiche, c'est bon. C'est passé. Voilà. Petit saphir brut. Ça met nous, ça. Hein. J'aurais pu descendre et tout. Je pense que j'aurais pu faire peut-être des trucs de là. Mais écoutez, la méthode a marché. C'est le principal. Hop. On récupère la bouboule. Ah mais... En fait, je suis obligé de récupérer ça. Bon, bah d'accord. Du coup, j'étais obligé de récupérer le coffre en fait.
Très bien. Let's go. Ah, on en a 3. Ah, je pensais qu'on en avait déjà 3. Ah. Ah. Ah bah oui, on est à 50. Oui, bah oui. Yes. Ouais. On a combien de cœurs ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attendez, c'est moi qui compte mal, on en a 12, pour de vrai. À chaque fois, j'ai du mal à lire le nombre de cœurs. Je sais pas pourquoi. Mais attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12. Ah. 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 Ouais. Bah de toute façon on va se TP parce que bah on a plus rien à faire ici. Yes, enfin si on pourrait récupérer les Korugu qui se trouvent là, attaquer le Moldarkor et compagnie, mais... Mais à mon avis, ce qu'on va faire pour se quitter, on va se TP ici. Voilà. Et on va s'arrêter pour de vrai. Ouais, hein, parce que j'ai dit ça il y a une demi-heure, ouais on va pas tarder à s'arrêter. Hein. Bah bon, on va aller juste vite fait faire un truc. Hein. Puis on va faire notre truc, puis on s'est baladé, puis on est mort. Mais c'est bien qu'on soit mort, parce que ça faisait longtemps, je crois. Et au moins ça actualise un peu le compteur, il nous reste plus que 11 vies. Dans ce caleçon challenge, je me suis donné 20 vies. Dans les faits, je sais pas, est-ce que ça veut dire que vraiment si jamais je venais à mourir encore 11 fois avant la fin, ça signerait la fin du let's play, je ne sais pas. Mais bon, on va espérer ne pas mourir avant la fin. Et donc, ouais, du coup, bordel de bordel. C'est là ? Attendez. Parce que là, on voit la ville. Voilà, là, on voit ça. On voit le temple du temps, ça, on connaît. C'est dans un meilleur état. Il y a plus de bâtiments. Bah, genre, il y a ce bâtiment-là qui construit. Et là aussi. Dans l'ère du fléau. Ça, j'imagine que là, on doit avoir des habitations ici. Mais tout le truc de la grande porte, c'est là? Cette fameuse porte? On n'a jamais fait ça. Non mais... Salut, hein. D'accord. Vous savez quoi, vu la durée de l'épisode hein. Ah mais il a pris l'arc ce bâtard. Il a pris la pire arme. Voilà. On a fait la foudre du Urbosa. Vous avez pu voir, ça a été assez efficace sur sa barre de vie. Hein. Relativement efficace. Mais attendez. Non ? Je croyais que ça brillait en mode ça va prendre la foudre, mais non. Bon. Tout ça pour le coffre. Ah, alors que la lumière. Oh, une épée de soldat. Attaque plus 8, hein. Ça y est, on commence à avoir des armes. Des armes avec des stats améliorées. Ce n'est pas pour me déplaire. Ouais, mais le truc, c'est que. En fait, c'est cool, mais. On s'en fout un peu. Hein. Pas se mentir. Pas se mentir, on s'en fout un peu. Mais du coup, ouais.
En fait, c'est ça, la fameuse porte. Et là, il devait y avoir un certain nombre d'habitations où tout s'effondrait, quoi. J'imagine. J'ai l'impression que c'est ça, mais... Bon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il pleut. Parce que ces symboles-là, il me semble que je les avais vus... ça me parle de l'ère du fléau. J'ai l'impression que, ouais... Enfin, au niveau de la map, je crois que c'est par là. Putain, mais c'est... quand même eu pas mal de changements hein, entre la map... la map de l'ère du fléau et la map de Breath of the Wild. Quand même. Salut. Oh. Tu nous as sauvés. Tiens, c'est pas grand chose, mais je te le donne de bon cœur. C'est quand même pas mal, hein. Non, mais on devrait vraiment pas traîner par ici. Ouais. Salut, hein. On était jamais passé ici. Incroyable. Incroyable. On a fait tellement de chemin sans jamais être passé par là. Faudrait du temps. D'accord. Bref, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Le cerf des montagnes. Sanglier sylvestre ont été rajoutés dans Pokédex. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.